Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization 6, Rise and Fall. Allez, avançons un petit peu pour voir ce qu'il y a ici. Donc là, on est dans un âge sombre, c'est pas trop grave. On fait une victoire religieuse, donc on va générer relativement beaucoup de foi. On va prendre Exode des évangélistes. Je vais acheter un missionnaire tout de suite. Ok, on va prendre artisanat, c'est un tour. Nommer un. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Il y a énormément. Quand je dis énormément, c'est énormément de forêts qu'on pourrait raser avec Magnus. Les forêts augmentent les attraits. Ça, il faut pas oublier ça. Donc, ici, je pourrais faire le temple Mahabodhi. Pourquoi le temple? Ça me donnerait deux apôtres, donc, que j'aurais pas acheté avec ma foi. Je peux faire un campement ici. Attends, le campus, je peux pas le faire parce que j'ai pas 4 de population. Ici. Fais-nous un campement. Le temps que je réfléchisse. Tuer des ennemis avec un frondeur, ça c'est mort. Ça c'est mort. Allez, on passe le tour. Ah, j'aurais pu changer ici. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Oh, je peux pas faire ça évidemment. La compétence sans l'imagination. Ok. Donc là, il revient avec son. Avec son archer. On va attaquer son archer en priant pour que le second ne soit pas là. Alors toi, tu vas te diriger vers Saladin. Mysticisme. Là, j'ai 7 de foi et ça va super vite. Hein. Est-ce que l'oracle ne m'intéresse pas? Mais non, mais je sais même pas pourquoi je réfléchis. Il faut que j'aille vers politique. Donc, on va pondre des colons. Même si je pense que c'est une perte de temps de pondre des colons maintenant, parce que si on entre dans un âge d'or, on pourra facilement comment est-ce qu'on dit ça? Viens ici. On pourra facilement acheter en fait des colons avec de la foi. Donc là, je vais essayer de retourner Médine à ma religion et j'ai oublié de prendre mon. Alors je peux l'atteindre, mais je vais pas pouvoir le finir. Donc reviens un petit peu. Ça sert à rien de le sacrifier, sinon je vais me retrouver sans unité. Elia va me trouver très très faible et donc m'attaquer. Alors je suis ami avec Tamar, donc elle risque pas de m'attaquer. Le mec a pu m'attaquer, c'est normal. Bah bien joué. Ok, bien joué. Vraiment bien joué. Je te déteste pas du tout. Ok, donc là on a un de production. Cette ville va être... Oh, attends, laisse-moi voir. J'aurais dû mettre Magnus. Est-ce que je mets Magnus? Souhaitons que les forces du mal... Ouais, j'aurais dû mettre Magnus. Une... Pourquoi? Parce que Magnus, bah, c'est pas grave, on va le mettre. J'arrête pas de misclick. Parce que j'ai autre chose en tête. On va mettre Magnus à Delhi. Et on va lui donner une promotion. Donc, ravitaillement, comme ça n'utilise pas une charge de population. Il faut absolument pas que cette ville perde de la population. Absolument pas. Allez, viens là. Donc toi, je vais te monter. Voilà. Ici, on va essayer d'avoir navigation à voile, comme ça on peut un petit peu faire les petites zones qui sont intéressantes quand même. Et là on va se diriger vers la politique. Rencontrer 3 cités-états, j'en ai rencontré que 2 malheureusement. Alors toi tu vas répandre notre religion, j'ai le véganisme. Alors là, ça lui pose pas problème. Ça lui pose pas de problème parce qu'il a pas encore de religion. Au prochain tour, je pense que je peux le retourner. Ok, j'ai le véganisme. On gagne 2 points d'Eraskar. Là, on sera dans un âge d'or, sans souci. Lieu saint.
Et j'ai pas d'argent pour mettre ça quelque part. D'intéressant, non. Campus, évidemment un campus sera très pourri ici. Il me faut absolument un lieu sain en fait. Place de machin. Un négociant en 9 tours, un colon en 13 tours. Allez, on va faire un colon aussi. Ok. Alors toi, Laventa, c'était quoi ta quête? Former une galère, punaise, mais qui attaque Laventa quoi? Vous êtes sérieux? C'est Saladin. Saladin, il est juste horrible. Il est juste horrible. Allez, viens ici. Tu vas essayer de retourner. Alors toi. Voilà, on passe le tour. Non, il va falloir que je fasse gaffe. Donc, Magnus ne s'installe que dans 3 tours. Ce qui veut dire que je vais arrêter le colon. Un petit temps. Ok, avance un peu. Avance ici. Ok, tu vois lui. Attaque. Donc là, il faut pas oublier de changer. On va changer pour un négociant. Parce qu'il faut un moment que j'ai le négociant. Oh là là, quoi, il envoie toutes ses unités. Avoir plus de villes. Je sais pas pourquoi je veux faire une ferme. Alors, si je fais de l'ambre, je pourrais vendre ça. Si je fais ici, je vais pouvoir gagner 2 pièces d'or en plus. Non, tu sais quoi, passe ton tour. On va chercher l'ambre au prochain tour. Ok. Donc là, il faut attendre que Magnus s'installe. Ce n'est pas que la vie terrestre. Alors, merci pour la promotion. Soit je le finis, soit je prends ma promotion. Mais le truc, c'est qu'il y a un second archer. On va venir ici. Et on va prendre notre promotion. Garnison. Qu'est-ce qu'on a appris? Ok, on a appris ça. Vas-y. Les puits. Allez, viens dans l'eau. Alors toi, est-ce que tu arrives sur place? Ok, Laventa est assiégé. Le Gilles Véganisme est à Laventa. Ok. Finalement, j'aurais pu avoir un colon très très vite. Donc on va mettre... Alors ici, je peux normalement raser ça. Merci. Et je peux le buter par la même occasion. Il est pas mort. Ok, je vais pas mourir... au prochain tour. Donc là, Magnus est installé. On va finir notre colon. Ça va pas nous coûter en habitation, donc c'est génial. Le bâtisseur, toi, tu viens là. Tu nous fais ça. Ok, on a de l'ambre. Tu veux m'acheter de l'ambre? C'est presque cadeau. Contre de l'argent. Tu n'as 150? Tu me casses la tête, ma petite Tamar. Oula, c'est un peu beaucoup, ça. Ok, 148, 7, 145. Finaise. Allez, allez, jette-moi les pièces d'or. Tu peux me les jeter au visage, je serai pas offensé. Merci Tamar. T'as une tête un peu carrée, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'argent, je pourrais acheter un bâtisseur. Le truc, c'est qu'aménager les cases me fait un petit peu peur. De l'argent, je peux pas acheter un bâtisseur, mais je peux acheter un guerrier. Alors, on va mettre une ville. J'espère que la Laventa ne va pas tomber tout de suite. Je ne tolérerai aucun sacrilège. Qu'est-ce qu'il me raconte, l'autre, là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il a sa religion? Tous les personnages ont été recrutés. Ok, toi, t'es mort. J'aurais dû reculer d'une case avant de l'attaquer. Donc là, on a un bâtisseur qui s'appelle Colon. Bah, tu vas venir ici. 4 tours. Laventa sera prise avant ces 4 tours. Donc je vais avoir un problème de... Et je vais avoir un petit problème.
Ok. Ma religion diminue? Comment ma religion peut diminuer? Il n'y a personne autour de moi qui a une autre religion. Libre passage. Ouais, c'est ça, t'as cru, toi. Casse-toi. Je peux demander un libre passage à la petite Tamar. Elle est loin de moi. Enfin, je suis pas si loin, je pense. Libre passage. Ok, elle me donne un peu d'argent. Je prends. Donc, toi, tu reviens sur notre territoire et tu te soignes. On a absolument besoin de toi. Rencontrer trois cités-états. Si seulement je pouvais faire ça. Mais je pense que c'est dangereux de s'installer. Non, c'est pas dangereux de s'installer là, c'est juste pour le. Aïe aïe aïe, la Vanta va tomber. Et il va générer un petit peu plus de. Comment est-ce qu'on appelle ça? De loyauté, ce qui va m'empêcher de m'installer où je veux. Ok, dans 2 tours je pourrais m'installer, mais la Vanta sera tombée entre-temps. République classique, bien joué. On a un négociant. On peut négocier vers qui? Alors, vers Bombay, ça nous permettrait d'avoir la Vanta, ça va tomber. Ça nous donnerait un de science. Je suis un petit peu. Voilà, un petit peu en retard en science. Et ça va nous donner des pièces d'or. Allez, vas-y. Et en plus, notre religion va s'ancrer plus chez lui. Donc là, on va se mettre là. Ok. Si seulement la Vanta pouvait ne pas tomber maintenant. Alors. On va mettre un campus ici. C'est juste parce que vraiment le. Il y a des ressources dont je suis pas très fan. Le cuivre, voilà, c'est sympa, mais c'est sans plus quoi. Le cuivre donne de l'argent, pas de la production. Comme par exemple le gypse ou la gypse, je sais pas comment ça se dit ça. Ok. Je pourrais faire un colon en 8 tours, mais je pense que c'est bien plus intéressant. Ok, on va fonder notre ville ici. La Vanta tient un peu, je sais pas comment ça se fait. Le seul problème, c'est que si je me mets là, j'aurai les 5 d'habitation. Mais j'aurai des cases de désert. Allez. Lieu saint. Tu vas faire un lieu saint ici. Tum-tum-tum. Oh, cette case a un bon attrait. Alors, si tu fais un lieu saint ici. Réfléchissons. Si je mets un lieu saint là, non, c'est pas bon. Parce que les puits à degrés peuvent pas être adjacents. Ne peut pas être. Ouais, il peut pas être adjacent à un autre. Là, je peux mettre un puits à degrés. Oh, ici, on a un plus 2. C'est quoi? Oh, punaise, on a un plus 4 ici. Ouïouïouï. Ouïouïouï, ok. C'est quoi? On va attendre. Il y a une merveille naturelle ici. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? En attendant, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, commence un monument. J'ai dit un monument. Ah oui, non, je vais acheter cette case. Oh punaise! Quoi? Attends. Je m'excuse. Et je vais pas essayer de le chercher. Une urgence, Saladin. Est-ce qu'on accepte? J'ai pas envie d'être en guerre contre Saladin. Mais on va pas se cacher, on va pas se Un cacher. homme assez courageux pour provoquer le reboisement ou l'irritation. On va pas se cacher, franchement. On va pas faire sa petite. On va pas faire sa petite pute. Désolé de dire ça comme ça, mais non. On va essayer de reprendre la Vanta. Qu'est-ce que ça sous-entend, reprendre la Vanta? Ça sous-entend d'avoir. Ah, ça c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Les choses vont s'aligner pour nous. Mais pendant ce temps-là, on va quand même finir le colon. On va finir le colon. On va tranquillement finir le colon. En fait, ces cages, j'ai même pas envie de les aménager. Il n'y a même pas besoin de les aménager. Je suis le seul à participer! Divisé pour régner profondément. Oh non! Oh non, le coup de. Oh non! Alors toi. Ok, c'est normal.
C'est normal. Hein. Oh punaise. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce qui va se passer, c'est que je vais mourir. 5 tours pour qu'il y aille là-bas. Non, on va faire une route vers... Ok. Choisir un dogme. On va prendre ce dogme. Non, on va pas finir le tour, on va changer notre... Ok, on peut prendre quoi? Puissance de combat contre les unités. Ok, on va prendre oligodarchie. Oligarchie plutôt. Ok. Toi, je vais te virer. Et je vais prendre Agogé. Ici, on va prendre ça. Les colons, j'aurais bien aimé les virer, mais on va garder ça encore un tour. Les routes. Attends. Dans 2 tours, je pourrais changer. Ok, je vais mettre isolationnisme. Donc les routes vont fournir plus de nourriture et plus de production. Ok. C'est très bien. Alors, les Erascores, on va les péter de toute façon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais là, ce qu'on va faire, on va faire un guerrier. On va faire un archer. Non, on va faire un... 20 tours, non, c'est trop. On va faire un guerrier. Tu vas chercher la production. 7 tours, c'est très bien comme ça. Ici, on va... J'ai envie de finir le campus parce que ça va me donner 3 de science d'un coup comme ça. Mais non. On va faire le plus d'archers possible. Il a des lanciers. Il a des lanciers. Si seulement je pourrais avoir des varous. Si j'ai des varous, il meurt. Automatiquement. Donc là, je vais essayer de choper l'Aventa. Oh non! Ok. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai mis isolationniste, je peux plus faire de colons. Oi, oi, oi. Ok. Ok, ok. C'est pas grave. On va essayer de récupérer la Vanta. Si on récupère la Vanta, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'une pierre deux coups. Affaibli... Enfin, 3 pierres d'un coup. Mysticisme. Mysticisme. Ça me donnerait un émissaire. Je veux une place de théâtre, peut-être. Allez, on va faire ça. La ville va être un petit peu difficile à prendre. Là, il y a un colon qui se balade tout seul. Un colon, un bâtisseur. Il veut me tenter, en fait. Ok. Plus d'archers. Libère à l'avantage, j'ai 27 tours. Donc si je me rappelle, toi t'as bien le truc du camp. Ouais, il a la garnison. Ok. Ah là là, là j'ai fait plein de moves qui étaient pas... qui étaient pas top top. C'est pas grave. Je peux avancer d'une case et l'attaquer. Voilà. Mais il va regretter ça. Il va regretter ça. J'ai pas de problème de truc. Allez, disparaît, toi. Tu me stresses. Ouh, le Khmer. Oh, punaise. Je vais peut-être perdre cette ville, en fait. Je peux la perdre. Ou pas, qui sait. Qui sait. Le campus, j'ai tellement envie de finir le campus. On peut faire un guerrier en un tour. On va faire un guerrier en un tour. Allez. Ah, oh, punaise, j'ai envie de le capturer, lui. En fait, il veut me tenter, ce petit coquinou. C'est pas grave. C'est pas grave. Si le jeu me cherche, il va me trouver. Allez, encore plus de guerriers. Parce que... Ce que fait l'IA, c'est quoi? C'est te bombarder d'unités parce qu'ils ont 40 000 villes. C'est pas grave. Donc là, il m'attaque avec un char lourd. J'aurais peut-être pas dû quitter la ville. On va l'attaquer. Tu vas venir dans la forêt. Ou alors tu viens là. Non, viens dans la forêt.
Dans 2 tours, je pourrais faire des varous. Ok. Les varous sont assez intéressants. Alors, toi, tu viens de ce côté. Ok. Et je produis encore. Alors. J'ai. Punaise, quoi. J'ai énormément de foi. J'ai même pas besoin d'avoir de la foi, en fait. J'ai combien? J'ai 144 pièces d'or. Est-ce que je peux acheter. Je peux acheter qu'un éclaireur. On va faire un autre guerrier, parce que ça prend pas beaucoup de temps et cette ville a besoin de ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va buter les archers. Toi, tu peux attaquer que lui. Parce que les archers vont me faire un petit peu mal. Allez, et donc là, il y a un archer qui arrive. Ok. Envoyer un émissaire. Ouh, Preslav, merci. On envoie Preslav parce que la formation d'unités dans la capitale va aller plus vite. Ça va m'aider surtout pour le Varou. Ok, il a des chars. Il se la pète un peu. C'est très bien. C'est très très bien. Il va y avoir plein de sacrifices ici, malheureusement. Mais c'est le prix à payer pour le prix à payer. Allez. Donc je peux attaquer le guerrier. Alors toi. On va finir lui. Je peux pas le finir. On va finir. Alors toi, t'as pas de level. T'as toujours pas de level. Ah oui, lui, il est level 2. Ok. Alors, on va finir l'archer. Pourquoi? Parce que lui, il va se sacrifier. Merci. 3 RS score. Tu te mets en défense. Toi, tu te mets en défense aussi. Toi, tu viens ici et tu attaques. Ok. Allez. Quand je vais avoir des varous, je vais tellement me mettre bien. Il a pillé ma route. Le coquinou. Unité tuée. Bah, il s'est sacrifié en même temps, donc c'est très bien. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ça devient intéressant, mon petit. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on va chercher? Travail du bronze. Alors. Toi. Ouais, lui, il est un petit peu résistant quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre dans la forêt. Ça va m'empêcher d'avoir mon tour. Là, il peut m'attaquer aussi. Est-ce que tu peux aller là? Non, tu peux pas aller là. Ce qu'on va faire. Eux, je pourrais pas les tuer aussi facilement que je voudrais. Donc toi, tu vas te mettre sur la colline. Ça va perdre ton tour. Et toi, on t'attaque. J'espérais tellement avoir un level. Alors, ici. Toi, tu peux venir le finir. Ok. Ça va un peu distraire l'autre. Allez, soigne-toi pour ce tour. Dans 4 tours, on peut changer. Le Varou prend 8 tours à faire. Le Varou est une unité de cavalerie lourde de l'ère classique. Ok, donc normalement, ça marche. Ok, mais il faut que je change. Combien ça va me coûter? 45 pièces d'or. 45 pièces d'or. Réfléchissons très très vite. Le truc c'est que mes unités ici vont être produites plus lentement. Mais je pense que ça vaut le coup. Attends. 3 tours. Non, non merci. On va l'acheter, on va l'acheter. On passe le tour pour avoir notre archer. Ouais mec, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ça, j'étais pas. Ça me surprend pas. Ok, donc là, on va commencer les varous. Le truc, c'est que Saladin va commencer à souffrir. Mais j'espère qu'il va commencer avant nous, parce que. L'usure de guerre, où est-ce que t'es? On n'a pas d'usure de guerre. Ok. Lui, il a perdu pas mal d'unités, donc ça doit être lourd de son côté. Donc, si on vient là. On bloque, j'ai pas de route, donc tu te casses, toi tu te casses, et toi... Regardons ça. Est-ce que je peux faire mon colon? Je peux toujours pas faire mon colon parce qu'il faut que je valide la carte sinon. Ok, parce que j'ai pas envie d'avoir... Bah oui, c'est normal. Casse-toi, casse-toi. Manœuvre, donc, unité légère et lourde cavalerie.
J'aimerais bien mettre pièces d'argent. Parce que les archers coûtent un petit peu cher quand même. Hein. C'est un. Non, c'est deux d'entretien. Non, je crois que c'est un. C'est un. Ok, si je laisse la carte colon. Alors, on va laisser la carte colon. On regarde ici. Finis-moi le colon, puisque j'aimerais bien qu'on s'installe un jour. Viens donc ici. Toi, tu vas attirer le petit coquin ici. Toi, tu vas te mettre sur la colline. Ok. Le varou sera là dans 5 tours. Si seulement je pouvais en acheter un. Alors, toi, tu vas pas monter le level. Toi, t'as déjà un level. Ok. Ah, mais non, je peux pas l'attaquer. Quel idiot. Quel idiot, quel idiot. Bah, viens dans la forêt. Toi, tu vas le finir. Tu vas peut-être monter de level. Toi, prends donc ton level. Garnison. Ok. Ok. Elle est ici. Oh punaise, elle va perdre sa capitale. Oh, le Khmer est pas sympa. Non, casse-toi. Il a attaqué la ville. C'est super intelligent. Je vais lui demander une autre amitié. J'espère qu'elle va accepter. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'elle va pas m'attaquer dans le dos ou quoi que ce soit. Donc toi, on va avancer vers le petit coquinou de Saladin. De Saladinou, même, je dirais. Toi, t'es loin de monter le level. Toi, tu vas prendre un level. Donc toi, tu vas le buter si possible. Non, c'est pas assez. Bah, viens donc ici. Et prends ton level. Ok, arme incendiaire. Alors, la défense de la ville est à 38. Ce qui veut dire qu'il a... Comment est-ce qu'on appelle ça? L'espadassin. Il a 40. Punaise, ça monte super vite. On a notre colon. Alors, toujours pas de lieu saint dans cette ville. Fais un bâtisseur. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? C'est qu'on va y aller petit à petit, on verra. On verra. Ok, avec autant d'archers, ça me rappelle l'invasion que fait la Nubie. D'ailleurs, j'ai pas pris la Nubie parce que justement, elle me fait peur, la Nubie. Et je l'ai mal joué, mais contre, si jamais vous tombez à côté de la Nubie, Le monde entier faites est votre un prière. théâtre et les hommes. Ou alors pondez énormément d'unités. Allez, on va avoir un varou. Donc, je vais avancer dans la forêt, pourquoi? Comme ça, j'ai. Ok, il n'y a personne. S'il n'y a personne, tant mieux! Mais regardez ça, quoi, ce dégât tout minuscule que je fais à la ville. Allez, on avance. On n'a pas beaucoup de tours en fait, c'est ça. Ça, c'est pas une colline. Monte sur cette colline. Alors, la merveille est ici. La merveille est ici. Donc, je vais m'installer près de la merveille. 10 tours. Non, 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 non. Je vais prendre la Vanta. Ça va nous donner un allié en plus. Ok, et de Le l'autre côté, bronze et il y a le des miroir de machins. la forme. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On peut faire un port avec un bon bonus, mais on va faire le travail du fer. D'ailleurs, est-ce qu'on a du fer quelque part? On n'a pas de fer, t'es sérieux? C'est pas grave. Allez, viens donc ici et attaque la ville. Ça va vous entraîner. Toi, t'es bien dans la forêt. Toi, tu vas te mettre là. On va pas attaquer le... Comment qui s'appelle? Alors, il faut pas que je fasse des bêtises. Je vais te mettre ici. Donc là, on a un peu de répit pour cette ville. On va acheter cette case. Mais le truc, c'est que j'espère qu'en achetant cette case, je vais pas pouvoir repousser la colonisation près de la merveille. Allez, on achète cette case. Voilà, Si ça coûte un délicat petit peu cher art a un maintenant. On sens, a selon découvert cette moi. merveille merveilleuse. Ah oui, c'est du gâchis en fait. C'est un de ces gâchis de mettre un lieu saint ici. On va gagner plus. Non, on va gagner un de fois.
Ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal. Ok, fais donc ton lieu sain. Pendant ce temps-là, on va attaquer la petite ville. Ok, 30 minutes déjà, punaise. Passe ton tour, passe ton tour. Je peux pas me mettre ici, si je peux me mettre là. Si je me mets sur la nourriture, je vais perdre une... Le mysticisme, mysticisme. Casse-toi. Oh, le varou. Ah, j'ai malheureusement coupé la scène très vite. On va la revoir. Qui d'autre que l'Inde serait capable de créer un varou? Et qui pourrait y résister? Ben, j'aimerais voir quelqu'un qui va y résister. Malheureusement, le varou est assez limité, en fait. Malheureusement. Donc là, au lieu d'attaquer la ville, il va chercher à m'attaquer. Mais on va pas perdre notre temps avec lui. Toi. Ouais, j'aurais dû bouger l'archer, j'aurais dû réfléchir un peu. Viens donc là. Toi, tu peux attaquer de là. Toi, tu peux pas attaquer de là. Toi, tu peux attaquer d'ici. Allez, mets-toi là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le petit coquin pour nous empêcher de faire quoi que ce soit? Alors, si je me mets ici, ça va être un petit peu... Ok. Ouais, c'est un petit peu pauvre en ressources par ici. C'est pas trop grave. Le temple Mahabodhi, je pense qu'on peut l'oublier. S'il met des remparts, on est foutu. C'est tout. S'il met des remparts, je suis foutu. Mets-toi ici. La ville n'est toujours pas en siège. Si je me mets de l'autre côté, je vais perdre un tour. Oh là là, ce truc qui me casse la tête. Je vais perdre un 3 à l'attaquer. Allez, vas-y. Ok, il est mort. Est-ce que le varou approche? Le varou approche. Non, je peux pas le prendre de suite. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait avec son petit bâtisseur. Ben, je vais arrêter l'épisode ici, donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!